Fleury, moi je suis installé à Grosbois, hein, super domaine. J'ai un effectif qui varie entre 15 et 18 chevaux, maximum 18 chevaux. Voilà, on travaille, j'ai deux employés et un apprenti en roulement. Enfin, j'ai deux apprentis à la rentrée, voilà, qui seront en roulement, donc on sera en permanence avec moi dans la cour 4. Voilà. Théo. Louer à la campagne ou acheter à la campagne, c'est pas évident au début. Grosbois, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. On a des superbes installations. Et étant donné que moi, je voulais continuer à monter à droite à gauche pour tout le monde, je trouvais que j'étais très bien placé à Grosbois. Surtout que j'ai un petit peu de clientèle pour le sud, aller courir à Marseille ou à Lyon ou des choses comme ça. Donc on est près des gares et des aéroports, donc c'est toujours un avantage. J'ai commencé mon apprentissage chez Jean Frenet et Gilles Vidal, à côté de Vichy. J'ai fait 4 ans d'apprentissage là-bas. Après, j'ai travaillé 6 mois pour eux en tant qu'employé. J'avais gagné une quinzaine de courses. J'ai couru un petit peu là-bas. Et après, donc j'ai voulu venir sur Paris pour avoir des chevaux à monter en région parisienne. Donc l'opportunité s'est faite d'aller chez Jean-Luc. Voilà, l'écurie des JL, avec Jean-Luc Dersoir comme entraîneur. Voilà, donc je suis arrivé chez eux en 2002. Je suis resté 7 ans là-bas. Donc j'ai gagné beaucoup de courses pour eux. Ils m'ont permis de monter des chevaux de qualité. J'ai gagné groupe 1 pour eux, groupe 2. Donc j'ai vraiment passé un palier en tant que jockey chez eux. Après, on entre les deux, on marche pas comme les deux. C'est vous, je mets à mon intérieur. Allez. Bah, au début, je suis parti un petit peu de chez Monsieur Luc pour être un peu plus disponible à droite à gauche pour monter, parce que j'avais une quinte jockey qui n'était pas mauvaise à ce moment-là. J'avais pas mal de chevaux à courir pour l'extérieur, j'avais des chevaux de groupe, je montais des bons chevaux à droite à gauche. Donc je voulais être un peu plus disponible pour tout ça, parce que je voulais pas laisser passer l'occasion. Donc pour mon employeur, c'était pas évident non plus d'avoir quelqu'un à l'écurie qui était parti tous les 4 matins. Donc j'ai préféré voler de mes propres ailes. Donc au début, je suis surtout parti pour continuer à faire ma carrière de jockey au début. C'est vraiment ce qui a déclenché le fait que tu deviennes indépendant, on va dire. Bah ouais, c'est vraiment ça. Hein. Bon, j'ai peut-être eu des promesses à droite à gauche pour remonter des chevaux qui m'ont fait un petit peu pousser la balance, mais je voulais vraiment jouer la carte à fond, pouvoir monter, parce que vous savez, quand on gagne des courses, on veut toujours en gagner plus. Donc je voulais vraiment avoir l'opportunité de faire plus. Donc c'est pour ça que j'ai voulu couper avec l'écurie Luc. Voilà. Et le fait de devenir entraîneur, ça a trotté quoi dans ta tête ? Bah, à vrai dire, au début, quand j'ai monté à droite à gauche, bon, j'avais du mal un petit peu à occuper mon temps libre. Et puis, j'avais déjà un petit peu d'expérience. Donc, je me dis, ce serait bien aussi de gentiment commencer à entraîner pour voir un petit peu comment ça se passait. Et puis, ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis après, ça s'est accéléré. Étant donné que j'avais un petit peu moins de résultats et moins de chevaux à monter, j'ai accéléré le pas pour passer entraîneur. Et puis, voilà comment ça s'est fait, quoi. Quelles ont été tes premières difficultés au quotidien quand tu t'es installé et celles que tu rencontres au jour d'aujourd'hui ? Bah, les premières difficultés, c'est de trouver des chevaux intéressants. Parce que trouver des chevaux, on en trouve toujours au début. Maintenant, il faut trouver des chevaux intéressants. Au début, je travaillais tout seul, donc j'avais pas beaucoup de chevaux, 4-5 chevaux. J'étais en colocation dans une écurie, donc ça, c'était un petit peu des difficultés, quoi. On n'est jamais chez soi. Non, au début, ce qui était dur, c'est d'avoir des chevaux, de se faire un effectif, quoi. Il faut toujours un petit peu de temps, trouver de la qualité de chevaux, des clients, parce qu'étant donné que j'ai travaillé pour Jean-Luc Dersoir, qui entraînait pour un entraîneur, pour un propriétaire, un seul et unique propriétaire, j'ai pas eu vraiment de connaissance de clients chez mes maîtres d'apprentissage, quoi. Les gens que j'ai actuellement qui travaillent pour moi, c'est des gens qui sont arrivés sur le tard, qui m'ont connu par rapport à mes courses en tant que jockey. Et voilà, donc c'est pas évident, c'est de trouver de la clientèle, quoi, au début. Et maintenant ? Ben maintenant, ça va, je suis bien. Je travaille avec des clients qui sont très bien, qui sont aussi des amis maintenant, avec qui on a une bonne entente. Je suis beaucoup associé sur la plupart de mes chevaux. Voilà, je trouve que c'est bien pour le client et pour moi. Voilà, ça mobilise tout le monde, ça incite tout le monde à aller dans le bon sens.
Donc ça, je suis content de ça. Qu'est-ce qui change dans la vie d'un jockey, de passer au mode entraîneur? C'est quoi le plus, on va dire? Bah, le plus, c'est que je pense qu'on prend un peu plus d'expérience, on arrive un petit peu mieux aussi à, comment dire, à comprendre les réactions de certains entraîneurs. Parce que c'est vrai que quand on est jockey, on est un peu, des fois, on n'est pas toujours aimable. Et quand l'entraîneur il travaille le matin, il a tous les jours, il a son travail, ses chevaux à régler, il aime bien avoir en retour du jockey une explication ou quelque chose de concret, quoi. Et ça, on s'en aperçoit quand on travaille le matin. Moi, quand je fais mener des chevaux ou monter des chevaux à ne serait-ce qu'à des apprentis ou d'autres drivers, j'aime bien qu'ils soient là pour me faire avancer. Donc je peux comprendre certains entraîneurs qui ont une certaine demande vis-à-vis des jockeys, quoi. Ça, on le perçoit mieux. Et est-ce que tu penses que tu as fait des erreurs sur ce point pour le passé? Oh ouais, plein. Oh ouais, ça c'est clair. On va dire que si je pouvais avoir les mêmes opportunités en tant que jockey maintenant que j'ai eu il y a 5-6 ans, je pense que j'aurais des résultats encore bien meilleurs. Maintenant, ça c'est la phase d'apprentissage, hein. Ça, c'est tout le monde passe par là. J'ai peut-être mis un peu plus de temps que certains pour arriver à réussir à ça, quoi. Mais bon, je suis content de ce que j'ai, ça se passe pas trop mal, c'est bien. T'as pas toujours eu un caractère facile? Est-ce que pareil, le fait d'être entraîneur, ça te permet un peu de t'atténuer? Ouais. Bah, de toute façon, en vieillissant aussi, on prend de la maturité, hein, on prend de la bouteille. Donc, mais c'est vrai que j'ai toujours un sale caractère, ça je l'avoue. Mais il en faut du caractère. Mais bon, c'est vrai qu'on le perçoit différemment après, parce qu'il faut quand même être respectueux et respecter le travail des gens le matin, quoi. C'est vrai que quand on est jockey, bon, on est un petit peu vite déçu quand un cheval ne nous plaît pas. Mais bon, faut pas oublier que l'entraîneur il a du travail derrière. Et ça, on s'en rend bien compte quand nous-mêmes on entraîne, quoi. Bah, j'ai un propriétaire qui me suit maintenant depuis quelques années, c'est M. Schmart, qui a été un des premiers un petit peu à me faire confiance avec un effectif conséquent. Voilà, on a des chevaux en association ensemble, c'est un de mes propriétaires les plus importants au niveau de l'écurie. Voilà, je travaille aussi avec un éleveur, M. Pita, voilà, avec qui on a eu quelques réussites. Voilà, il me propose des poulains qu'après on qualifie, qu'on propose à mes clients. Voilà. Donc on est associés tous ensemble sur ces chevaux-là. C'est des gens qui sont sérieux et corrects. Est-ce que tu penses que la monte en avant, tu as été l'un des premiers à t'y mettre, à emboîter le pas de Philippe Mascal, est-ce que tu penses que ce choix dans ta vie a changé ta carrière? Oh ouais, je pense. Ouais. Je pense que ça, je l'ai fait au bon moment, on va dire. Je l'ai fait assez tôt. J'avais quand même gagné pas mal de courses avec l'ancienne monte, mais c'est vrai que j'ai pris le pas assez rapidement, étant donné que Philippe il montait beaucoup de chevaux pour mon patron et que j'avais du mal à comprendre pourquoi ils allaient mieux avec lui qu'avec moi. J'ai dit, tiens, il faudrait quand même pas trop tarder à s'y mettre. Et c'est vrai que je pense que je l'ai fait au bon moment, parce que j'ai eu une bonne réussite et une fois passé pro, j'ai pas eu de blanc, quoi. J'ai bien enchaîné, j'ai tout de suite eu des montes et j'ai quand même gagné des courses régulièrement aussitôt mon passage professionnel. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se débrouillent très bien, qui n'ont pas moins de talent que les autres, mais qui n'ont pas les opportunités qui se produisent derrière, qui n'ont pas les chevaux qui suivent. Donc je pense que je l'ai fait au bon moment. Mais il faut un peu de chance aussi dans la vie et j'en ai eu. Ça fait maintenant 4 ans que tu es installé à ton compte. Quel bilan tu tires de ta nouvelle vie d'entraîneur? Ben, je suis content. Je suis content. Bon, je ne veux pas rester sur mes acquis, je veux faire mieux, mais je suis content parce que l'année dernière était très bonne. Cette année, on est parti sur des bonnes bases. J'ai des chevaux d'une bonne qualité, on a gagné des belles courses. Voilà, je suis content, ça n'a pas mis vraiment longtemps pour bien se lancer. Il y en a qui, ça me prend plus de temps. Donc, je suis globalement satisfait, mais j'ai envie de faire mieux. Dans 5 ans, Julien Rafestin, il sera où et comment? Oh, bah, il sera certainement encore à Grosbois, avec peut-être des chevaux de groupe, voilà, j'espère. Et puis une bonne réussite, assez, comment dire, régulière, voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir l'élite, c'est pas évident d'être dans l'élite, mais maintenant être régulièrement là et qu'on n'oublie pas, c'est le principal. Avec Bonbon Rose tout de suite.
Parfait, qui s'installe au commandement avec charme in charme. Baisse Bourbon est trop rate sur une grosse faute et passe au dernier rang. A mi-parcours dans ce prix du Benelux, le numéro 8, Baisse Bourbon entame un rapproché spectaculaire tout à l'extérieur. La ligne droite avec le numéro 1, Bombe Rose et le 4 Bambino qui ne peuvent contenir le retour de l'incroyable Baisse Bourbon numéro 8 qui va s'imposer. Info, interview, vidéo, adeturf.com, les courses sur internet. Et retrouvez nos pronostics au 08 99 106 234.